sang, mais vous êtes des cubes sur pattes. Vous avez un but dans la vie, marcher sur des boutons. Vous avez été conçu pour ça, alors faites-le. Vous chauffez, c'est ça. Et vous brûlez. Non, 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 vous gelez là. Glacial, congelé. Non, non, c'est pas du tout ça. Mais marchez sur le bouton, punaise. Oh, c'est marrant, hein. Mais oui, très marrant. Ça fait 12 heures qu'on planche là-dessus et vous n'avez rien trouvé, vous non plus. Alors y a pas de quoi rire. Vous avez une heure. À vous de jouer. Je crois que je l'avais déjà entendu. C'est un peu de la triche. C'est un paradoxe. Il n'y a pas de réponse. Écoutez, si je ne retrouve pas mon corps, le centre tout entier va exploser. Faux. On va dire faux. Explosion imminente. Veuillez évacuer immédiatement le centre. Soyez mon être occupé. Alerte. Cœur du réacteur à température critique. Voilà, c'est réparé. Hey, vous savez pas comme ça me fait plaisir de vous revoir. Ah non, c'est vrai, justement, j'avais un peu besoin de sujet de test. Donc vous tombez pile. Et c'est parti. Vous n'avez pas idée de ce que ça fait d'être dans ce corps. Il faut que je teste. Tout le temps. Sinon, j'ai comme des picotements. Ça doit être une routine du système. Oh, mais quand je teste, alors là, quel pied, c'est le nirvana. Je pense plus qu'à une chose. Tester, tester, tester. Bref, vous allez faire des tests et je vais vous regarder. Et tout ira. Alerte, j'ai une chose déterminante. Je crois qu'il y a un problème. Ce test-là, c'est moi qui l'ai fait. Il n'est pas facile, facile. Vous... Oh, oui. Bravo. Oh, ça, c'est génial. Ah, c'était jouissif. Tiens, j'ai une idée. Vu que c'est un peu lourd de créer des tests, vous avez qu'à résoudre le test actuel en boucle. Et moi, je vous regarde. On va pas se compliquer la vie. Et voilà, commencé. Et... Non, que dalle. Ça mangeait pas de pain d'essayer. Alors, voyons voir. Il doit bien y avoir de nouveaux tests quelque part par là. Ah, voilà. Bon, mon paradoxe n'a pas eu l'effet escompté. Et j'ai bien failli y passer. Heureusement pour nous, il a l'air d'être aussi calé en construction de tests qu'en contradiction logique. Survivre le temps de leur trouver.
Tout va bien. En fait, là, j'ai inventé de nouveaux tests. Mais c'est un de mes tests. Je les ai pas inventés de toutes pièces, non. Vous voyez le mot test sur le mur? Ça, c'est flambant neuf. C'est sans moi, d'accord ? Je vous rejoins tout de suite. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes dans mes tests qui peuvent donc nous tuer. La bonne nouvelle, en fait, là maintenant, pas grand-chose. Je vous tiens au courant. J'ai conçu ce test moi-même, à partir d'autres petits tests que j'ai trouvés. J'ai tout mélangé. Des boutons, des tuyaux, des puits sans fond. C'est le gloobie-boulga des tests. J'ai conçu ce test moi-même, à partir d'autres petits tests que j'ai trouvés. J'ai tout mélangé. Des boutons, des tuyaux, des puits sans fond. C'est le gloobie-boulga des tests. Bon, là c'est vraiment trop lourd. Je vais vous dire comment résoudre le test.
bouton. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'abord... Ah, pourquoi je ne peux pas vous aider à résoudre les tests? Peu importe. Résolvez-le toute seule. Je dis rien. Vous n'allez pas me croire, j'ai trouvé tout une aile murée, avec des centaines de salles de test tout à fait exploitables, remplies de squelettes. J'ai juste eu à faire un peu la poussière. Des squelettes. En fait, il est possible que j'ai constitué des réserves. Mais c'était en souvenir. Et voilà le travail. Sincèrement, on voit pas la différence, pas vrai?
ça y est, ça vient. Oh, déçu je suis. Le dernier test était décevant. Puisqu'apparemment, la politesse, ça vous réussit pas, on va essayer sa manière. Grosse vache adoptée, gros bovin à mamelle sans maman. Quoi ? Quel est le problème de l'adoption, au juste ? Le problème de l'adoption ? De parents, et puis Pour info, vous êtes bien adopté, et c'est très triste. Rien. Mais j'essaie de le tester. J'ai d'excellents amis, ils sont en folie. Vous êtes abruti. Je suis pas un abruti! Faites le test, c'est tout. Faites le test.
dites-moi, je suis un abruti. Pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre un test simplissime? Je crois que je suis allé un peu trop loin cette fois-ci. Oh, oh, pardon, ça vous a pas dérangé, j'espère. C'était le bruit d'un livre, de pages qu'on tourne. Eh oui, je lisais. Une activité à laquelle les abrutis ne s'adonnent pas. Enfin bref, j'ai fini le dernier, le plus dur, Machiavel. Je vois pas pourquoi on en fait un fromage, j'ai tout compris du premier coup. Vous l'avez lu? Oui. Sans doute. Allez, on passe au test. Seulement il y avait d'autres livres, mais non. Assez solide pour s'en détacher. Moi, ça allait, c'était la science qui me faisait tenir.